Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjoumendé, à Boumé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour amis internautes, le programme des Nations Unies pour l'environnement, PNU, est une organisation dépendante de l'Organisation des Nations Unies, créée en 1972 et ayant pour but de coordonner les activités des Nations Unies dans le domaine de l'environnement, assister les pays dans la mise en œuvre de politiques environnementales. Depuis que la notion de développement durable a été forgée, le PNU a cherché à intégrer la problématique environnementale dans les politiques plus globales de développement. Durable. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'environnement et du climat, GIEC, dépend de l'Organisation météorologique mondiale et du PNU. Son siège se trouve à l'Office des Nations Unies au Jigjigi, au Kenya. Le PNU a été la première organisation des Nations Unies, d'ailleurs, basée dans l'un des pays en développement. La directrice exécutive du PNU est Inger Andersen. C'est tout pour ce matin. Merci, à très bientôt.